de putain, claquer son RSA. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jacques lui dit, oh ben Léon, ça a pas l'air d'aller. L'autre répond, alors, j'ai plus de mal, je ne peux plus me branler. Alors Jacques, grand seigneur, le glisse dans son caddie et lui dit, j'ai du beurre, on va rue Saint-Denis. Bon marché, et ça, ça le rend content, René. Il est trop gros pour se branler. En achetant des capotes chez l'épicier, il tombe sur leur bonne copine Laura, qui depuis son AVC ne sait plus dire que. Laura leur demande comment d'où tu viens, répond Jacques. Laura leur dit ils prennent ça pour un oui. Mais oui, le capot. Et son chien à trois pattes. En les voyant arriver, les putes se mettent à courir et crier. Et même les mineurs sans papier cherchent un flic pour les protéger. On vit vraiment dans un monde sans pitié, où même les putes à 10 euros n'ont pas une once de charité pour des handicapés pourtant très rigolos. Et ça vaut bien la peine d'économiser 3 mois d'alloc d'adultes handicapés pour finir par se taper une nana qui fait que crier.